Pâtissière, couturière, maquilleuse professionnelle, des femmes autonomisées par la formation, la fondation Grâce à ma mère a mis sur le marché avec fonds de démarrage plus d'une centaine de femmes qualifiées aux différents métiers. Bon syndical, gouvernement, une commission paritaire qui dissipe les malentendus et rapproche les vues dans le cadre du dialogue social. Les travaux de la toute dernière viennent d'être clôturés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Situation sécuritaire entre les communautés Téké et Yaka. Le président de la République se saisit de la question. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réuni aujourd'hui les responsables traditionnels du Grand Bandundu à la Cité de l'Union africaine. Sa Majesté Mini Kongo Kavabioko a été conduit auprès du chef de l'État par la ministre auprès le président de la République à la Cité de l'Union africaine. Le chef traditionnel a rassuré au grand de la nation de mener les pourparlers incessamment afin de ramener la paix dans cette partie du pays. Rachel Foutou. Ils sont idéalement venus auprès du chef de l'État pour lui exposer les résultats de leur démarche visant à certifier le Kakungu, masque Soukou, porteur d'énormes vertus spirituelles, restitué à la RDC au mois de juin dernier par le roi Philippe de la Belgique. Le 20 août, on avait visité notre masque Kakungu que le chef de l'État il avait ramené au pays. Et c'était par rapport à ce masque aussi, on voulait venir pour remercier le chef de l'État dans sa diplomatie qu'il est en train de faire pour la République démocratique du Congo. Mais la sensibilité du garant de la nation aux problèmes touchant la vie de ses compatriotes a pratiquement modifié l'ordre du jour, mettant sur la table des discussions les conflits entre Téké et Yaka qui a causé des pertes en vies humaines. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a recueilli les avis de ses chefs religieux sur ces différends avant d'ordonner à ces derniers d'entamer le pourparler pour une solution concertée. Non, les chefs regrettent parce que lui, il cherche comment mettre le Congolais ensemble. C'est ça qu'il a demandé chez nous, comme nous sommes les de Grand Bandundu aussi, que nous puissions aller mettre la paix. Donc il a demandé à moi, tant que grand chef Mini Congo, d'aller parler aussi avec ces deux peuples. De demain déjà, on va aller pour essayer de parler avec les deux peuples. La paix, rien que la paix. C'est cette exigence du chef de l'État, transmise à ses gardiens de la tradition, obligés de faire des concessions pour un retour de paix dans le Grand Bandundu. Nouvellement nommé ambassadeur par le président de la République, 9 diplomates ont échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Ils ont reçu mandat notamment de vendre l'image positive de la RDC, d'attirer des nouveaux investisseurs et de garder le contact avec la diaspora Kiba Misomoïsa. Récemment nommés et affectés à leurs postes respectifs, les ambassadeurs de la RDC en Pologne, au Qatar, au Ghana, au Libéria, au Canada, en Corée du Sud, en Russie, au Vatican et en Tanzanie ont été conduits ce jeudi 1er septembre auprès du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala. Les diplomates congolais ont entré des jeux. Remercier le président de la République pour les choix portés sur leur personne. L'appel aux investisseurs, l'encadrement des compatriotes de la diaspora dans leurs différents pays ont constitué notamment les recommandations du chef de l'État, indique l'ambassadeur de la RDC en Pologne, Madame Clémentine Chakembo Kamanga. L'objet de cette rencontre était d'abord de le saluer et ensuite lui dire merci pour avoir porté son choix sur nous. Et par la suite, recevoir ses instructions pour nos prochaines missions diplomatiques. Encadrer la communauté congolaise dans nos pays, relever le fait que la RDC est un pays solution pour nos minerais et pour notre écologie. Nous devons aussi chercher les investisseurs pour pouvoir appuyer le développement de notre pays. Et il a cité quelques pays en exemple, par exemple la Corée du Sud, et le Qatar.
Les provinces du Olomami, du Tanganyika et du Kassai central ont besoin des grands travaux des infrastructures routières pour sortir de l'enclavement. Le président de la République en est conscient et il en a échangé avec les gouverneurs de ces trois provinces. Encore une fois, Kibambe Somoïsa. Le développement du Olomami, du Tanganyika et du Kassai central était au menu des entretiens que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu avec le gouverneur de ces trois provinces, reçus tour à tour à la cité de l'Union africaine. Pour madame le gouverneur du Olomami, Isabelle Yumba Kalenga, sa province compte beaucoup sur les grands travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 1 pour son désenclavement. La province du Olomami, c'est une province qui est enclavée. Et le besoin actuel, c'est désenclaver la province. Et nous sommes rassurés par les chefs de l'État et que bientôt, surtout cette route nationale numéro 1, qui tous nous importe, va commencer, les travaux vont commencer, on va lancer les travaux. Je rassure ma population que les chefs tiennent à tout prix relever ce défi de développer cette province du Olomami. Le développement, mais aussi la situation sécuritaire au Tanganyika ont été évoqués au cours des échanges du président de la République avec le gouverneur de cette province, Mme Julie Ngongwa Mwayuma. L'image que la province présentait, c'est comme s'il y avait de l'insécurité ou quoi. Et j'ai donné quand même des éclaircissements par rapport à ça. Il n'y a pas d'insécurité dans la province. Depuis que je suis arrivée, il y a du calme. La province est potentiellement riche. Il suffit seulement d'y mettre du sérieux. Et je pense que la province va décoller. Les travaux d'infrastructure, notamment sur la route Kalambambouji et le barrage de Katende, sont au centre de préoccupation au Kassai central, déclare le gouverneur de province John Kabeya Shikai. Pour la route de Kalambambouji, nous venons de nous mettre d'accord avec l'autorité, le chef de l'État, que le 10, il sera Kananga pour le lancement des travaux de Kalambambouji, qui est une route salutaire pour la province et pour l'espace Grand Kassai. Katende, où en est-on? Les travaux sont toujours en arrêt. Qu'est-ce qui se passe? Oui, effectivement, c'est comme ça. Nous avons échangé longuement avec le chef de l'État. Je pense que lors de son arrivée à Kananga, on aura certaines solutions à trouver ensemble pour voir qu'est-ce qui reste à faire et qu'est-ce que nous allons faire. Et puis la solution sera trouvée sur place à Kananga. La sécurité alimentaire ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens, deux questions évoquées à la 11e session de Parlement panafricain qui s'est tenue en Afrique du Sud. La République démocratique du Congo a pris part à ses assises par le truchement du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Robert Ndaïtchissé. Les travaux de la 11e session du Parlement panafricain se sont clôturés ce vendredi 2 septembre 2022 sur plusieurs recommandations. Le Parlement panafricain est appelé à délibérer sur des questions qui aideront le continent à réaliser ses rêves. Réunis à Midrand, dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud, les participants à la 11e session du Parlement panafricain ont tablé sur des questions liées à la relance économique du continent africain après le passage de la pandémie à coronavirus. Il était aussi question de la mise en œuvre de l'agenda de la gouvernance africaine. Le Parlement congolais est représenté à ce forum parlementaire par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukumesu, à la tête d'une forte délégation. La RDC a profité de ce forum pour décourager les pays africains qui instrumentalisent les groupes armés, notamment les Rwandais qui appuient l'homme 23 pour déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et perturber la relance économique. Nous avons expliqué clairement que la RDC est victime de l'agression rwandaise. C'est le Rwanda qui occupe une partie du territoire de la RDC à travers ses marionnettes terroristes du M23. Nous l'avons dit à l'ensemble des parlementaires africains pour leur demander de condamner cette situation et surtout de demander au Rwanda de mettre fin à son occupation du territoire de la RDC que nous n'allons plus tolérer parce que notre peuple en a marre. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Tous voient la nécessité de parvenir à la paix et à une vie décente pour tous les peuples africains. Il faut davantage travailler pour réaliser la vision d'une Afrique prospère et éloignée des conflits armés.
Ordonnance numéro 22/144 du 31 août 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne article numéro 1 est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 2 septembre 2022. L'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 3. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 31 août 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 31 août 2022, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembumbuizia, directeur de cabinet. Poursuivons ce journal, une nouvelle dynamique qui voit le banc syndical de l'administration publique et le gouvernement convolé en juste annonce découle du protocole d'accord de 2 novembre 2021. La commission paritaire dont les travaux viennent d'être clôturés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, jette les bases d'une nouvelle politique salariale. Cédric Enina. Ces assises se sont terminées par la signature d'un addendum au protocole d'accord signé le 2 novembre 2021 à Bibois. Après évaluation, l'intersyndicale nationale de l'administration publique a adhéré à la volonté politique affichée par le gouvernement congolais pour une inclusion salariale visant la mécanisation générale en 2023 de tous les non payés certifiés réguliers dans le fichier de référence. Cette volonté de redresser l'administration, de la moderniser, de faire en sorte que l'administration soit le socle du fonctionnement de notre État. C'est la volonté du président de la République. Les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndicale nationale de l'administration publique sur l'évaluation du protocole d'accord du 2 novembre 2021 ont jeté les bases pour la définition d'une politique salariale visant l'amélioration des conditions de vie et de travail telles que voulues par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la supervision du Premier ministre Samalukonde. Cette fois ici, nous sentons et nous observons la bonne volonté, et la volonté politique et de la part du gouvernement de bien faire et dans le cadre d'amélioration des conditions des agents de carrière des services publics de l'État. Avec la signature de cet addendum, le gouvernement démontre sa détermination de disposer d'une nouvelle politique salariale juste, plus équitable et surtout plus inclusive. Et cette information qui concerne les finalistes de l'examen d'État, vous avez obtenu 85 ou plus aux épreuves de l'examen d'État. La Fondation Denis Zakirou Tshisekedi vous donne l'opportunité de poursuivre vos études en France à travers son programme Excellencia. Le programme est déjà à sa troisième édition et deux d'entre eux sont arrivés en France. À ce jour, Excellencia compte 32 boursiers repartis dans les différentes universités françaises. Naïcha Kialamouila et Charmant Lilo. Après plusieurs heures de vol, Louis-Georges et Déborah sont enfin arrivés à destination. Au sortir de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, le comité d'accueil est présent pour les accueillir. Pas de temps de repos, il faut rapidement entrer dans la danse. Au cours d'une séance d'information aux côtés des boursiers des éditions précédentes, l'agence Campus France a donné aux nouveaux arrivés toutes les dispositions utiles pour une meilleure intégration. Les aspects qui entourent l'accompagnement de cet établissement français sont évoqués avec clarté par sa directrice générale adjointe. Je tiens à remercier la Fondation Denise Nkérou Tshisekedi
avec laquelle d'ailleurs j'avais signé en RDC il y a 3 ans, ce partenariat qui permet d'abord de sélectionner avec l'Espace Campus France, l'Ambassade de France et la Fondation ces étudiants qui sont vraiment excellents. Nous avons plusieurs success stories les concernant, ils sont vraiment très très bons et je crois que c'est important de préciser qu'ils sont sélectionnés et ils étudient ici dans des domaines qui vont servir plus tard à la RDC. Pour le chargé d'affaires de la République démocratique du Congo en France, ces boursiers qui portent haut l'étendard du pays peuvent compter sur le soutien inconditionnel de toute la République pour leur permettre d'aller au bout de leur cursus universitaire. Le programme Excellencia a au fil des ans communiqué aux finalistes du secondaire la motivation de pousser loin leurs limites. Les résultats de l'examen d'état édition 2021-2022 en sont la parfaite illustration. La vision de la First Lady pour l'éducation des jeunes porte ses fruits et promet un avenir meilleur pour le pays. Car soutient-elle, personne ne peut se dresser contre une avalanche d'excellence. Et puis parlons aux femmes. Elles sont désormais outillées et autonomes financièrement. Elles ont appris le métier de l'hôtellerie, pâtisserie, coupe et couture et maquillage professionnel grâce à la fondation Gram, grâce à ma mère que dirige Madame Julie Suélé. 140 femmes venues de 24 communes de Kinshasa ont reçu leur certificat des mains du deuxième vice-président du Sénat, Sangouma Temongonde Mossaya Chobeuse. Si les lauréates ont reçu les kits des métiers, les orphelins internés dans quelques orphelinats de Kinshasa, eux, ont reçu le kit d'objets scolaires. Rentrée des classes oblige. Et Eric Kabamba et Charmant Lelo. Mannequin d'un seul jour, certes, pour la circonstance, Madame Julie Suélé, de la tête aux pieds, présente à l'assistance le différent produit réalisé par les apprenantes sorties de sa fondation grâce à ma mère Gram. Ces femmes, 140 au total, venues de tous les coins de Kinshasa, se sont distinguées en coupe et couture, esthétique, make-up, pâtisserie et hôtellerie. Une formation de 4 mois sanctionnée par la remise des certificats de réussite. Pour cette deuxième édition, le président du Sénat, parrain de la cérémonie, a délégué son deuxième vice-président, Sangouma Temongonde Mossai. La fondation Grâce à ma mère, qui se veut un catalyseur pour l'autonomisation de la femme, s'y est attelée à outiller ces femmes apprenantes, aujourd'hui entreprenantes. Cette cérémonie vient couronner les efforts d'une centaine de femmes en vue de devenir financièrement et socialement autonomes. Ces œuvres ont été conçues par ces apprenantes, ces défilés de mode l'illustrent si bien, une réalisation. Pas du tout facile, ont-elles avoué. Les parrains de cet événement, le président du Sénat et la ministre du Genre, tous représentés, ont salué cette initiative. Les femmes que vous êtes sont au cœur des équilibres familiaux, culturels, sanitaires et sociaux parce que vous jouez un rôle central dans la gestion en général. Pour faciliter leur entrée dans le monde des affaires, la Fondation Gram a offert à chaque lauréate quelques outils de travail. À 48 heures de la rentrée scolaire, Julie Suélé et sa fondation ont aussi offert aux enfants orphelins présents dans la salle quelques kits scolaires. Et ce message de remerciement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, à l'occasion de la prestation de serment de haut magistrat de la Cour de cassation, du Conseil d'État et ceux des parquets, presse et juridictions, ainsi que les magistrats de la Cour de compte en ma qualité de deuxième vice-président du Sénat en charge du contrôle parlementaire, des relations avec la Cour des comptes et le Conseil économique et social. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier sincèrement pour avoir accepté les serments des hauts magistrats des institutions si haut citées, ce d'autant plus que la prestation des magistrats de la Cour des comptes était tant attendue depuis plusieurs décennies pour consolider son bon fonctionnement. Excellence, les gestes que vous venez une fois de poser démontrent votre ferme volonté de faire avancer
l'état de droit en République démocratique du Congo, je reste convaincu que la présence des magistrats de la Cour des comptes facilitera désormais le travail des sénateurs en matière de contrôle dans nos 26 provinces. Que le Très-Haut puisse vous combler de la sagesse, de l'intelligence et du courage pour le bien-être de ce grand pays. Sangouma Temongonde Moussaï, PhD, deuxième vice-président du Sénat. Et en image, le gigantesque projet du président de la République, le programme de développement de 145 territoires a fait l'objet des discussions aujourd'hui entre les députés nationaux représentant les 33 villes concernées et le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando-Simba, a appelé ses élus à s'approprier ce projet pour sa meilleure réussite. Jonathan Mouélé. Le programme de développement local de 145 territoires en cours d'exécution et qui ne concerne pas les villes de la République démocratique du Congo a inspiré un groupe d'élus nationaux réunis au sein d'une association dénommée Collectif de députés nationaux. Ces élus de ville sont venus plaider en faveur de projets de développement de leurs villes respectives auprès du ministre de temps en charge du plan, Christian Mwando-Simba Kabulo. Mardi 23 août 2022. Au nom de ce collègue, Théon Koussou, élu de la ville de Matadi, a demandé au ministre d'État d'être leur interlocuteur auprès du gouvernement pour que le vue de la République démocratique du Congo bénéficie aussi d'un programme de développement. Nous avons trouvé un terrain d'entente, parce qu'autant que nous sommes ici, autant il y a des problèmes dans nos entités. Vous ne pouvez pas vous imaginer donc, madame. Ce n'est pas seulement les infrastructures qui sortent de terre, mais il y a aussi les érosions. Donc tout ça, ce sont des préoccupations qui doivent être prises en charge par le gouvernement central. Pour le ministre d'État en charge du plan, qui a prêté une oreille attentive assez haute, bien que le ville puisse dépendre directement de provinces, il a promis de porter leur doléance à qui de droit afin de concevoir un programme global de développement des 33 villes que compte la République. Ces élus de grandes villes du pays n'ont pas manqué de louer le programme de développement local de 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, pour le bien des Congolais. Une délégation du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR était aujourd'hui chez la ministre d'État en charge de la justice. Les deux parties ont discuté sur l'épineuse question de la patridie en République démocratique du Congo. Par la suite, Rose Mutombo-Kessé a échangé avec l'ambassadeur d'Italie en RDC sur la coopération judiciaire entre Kinshasa et Rome. Joseph Oscar Mbalkaïch. Avec l'ambassadeur d'Italie en RDC, il était question de passer en revue l'état de la coopération judiciaire entre les deux pays. Concernant les cas de l'assassinat de son prédécesseur tué dans les périphéries de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, l'ambassadeur Alberto Petrangheli a par ailleurs remercié la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kessé, pour la coopération assurée par les autorités judiciaires congolaises et de la police nationale pour élucider cet acte ignoble. D'autre part, un atelier technique sur l'adoption d'un plan pour l'amélioration du cadre juridique sur la patridie en RDC a ouvert ses portes sous les auspices de la ministre Rose Mutombo-Kessé. C'était en présence du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en RDC, Angèle Dikongwe Atanga. Mon institution, le Haut Commissariat pour les réfugiés, demeurera bien sûr aux côtés du gouvernement de la RDC et de ses partenaires pour l'atteinte de nos objectifs communs, visant à adopter un plan pour aider la République démocratique du Congo à adhérer aux conventions sur la patrie. Par ces assises, le gouvernement de la République a démontré la volonté, à travers le ministère de la Justice, de mettre en œuvre ses engagements visant à éradiquer la patrie d'ici à l'horizon 2024, en dotant la RDC d'un cadre juridique préventif des risques d'apatridie et protecteur des droits des apatrides.
La numérisation des factures d'eau et de l'électricité, bientôt chose faite dans notre pays. Les études de faisabilité sont en cours. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a fait le point avec les acteurs impliqués. Marie Kalong. A déjà été enclenché. Bientôt, les abonnés de la SNEL et de la Régie des eaux vont devoir payer leurs factures de façon digitale dans le but de maximiser les recettes et réduire la fraude. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenzemkaleng, a réuni autour d'une table tous les acteurs réunis, à savoir la SNEL, la Régie des eaux, les opérateurs de téléphonie cellulaire avec la monnaie électronique, les banques et le ministère du numérique chargés d'encadrer les opérations. L'objectif de cette réunion étant de réfléchir sur les voies et moyens permettant de respecter le délai imparti d'ici le 31 décembre 2022. Le gouvernement avait pris l'option sur l'instruction du chef de l'État de commencer à transformer les paiements en les rendant maintenant sous format numérique de façon que tous nos abonnés puissent payer avec des moyens digitaux. Nous sommes au niveau d'Airtel Money ainsi que du ministère pleinement alignés pour faire en sorte que nos concitoyens puissent bénéficier de ce service de paiement de factures par monnaie électronique. À noter que la transformation des paiements de factures en numérique émane d'une décision gouvernementale sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une promesse du chef de l'État, aujourd'hui une réalité. Les travaux sur l'électrification complète du quartier Kanluka ont repris. Pour faire le point complet de ce projet, le directeur général de la SNEL, Jean Bosco Kayombo, a réuni toutes les parties contractantes. Yvette Makuntima, Edith Chala et Fiston Avingana. Après une longue période de pause, les travaux d'électrification du réseau des Kanluka ont été relancés par la SNEL SA. Conformément aux recommandations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, a réuni autour de lui les intervenants dans les 10 projets pour statuer et avoir des précisions de ces derniers dans leur domaine d'intervention. Et pour en avoir le cœur net, le directeur général de la SNEL SA, Jean Bosco Kayombo Kayan, a effectué une descente dans les dépôts centrales de transit où sont stockés les matériels destinés à la matérialisation de ces vastes projets. Une bonne quantité de compteurs après paiement nouvelle génération est arrivée. Les quartiers populaires de Kanluka constituent donc la phase pilote. Il y a déjà sur le chantier des équipes qui ont déjà commencé du côté moyenne tension cabine. Maintenant, je voulais me rassurer que du côté des compteurs, les quantités de compteurs qu'on avait commandées sont bel et bien là. Les opérateurs recrutés dans l'exécution de ces projets sont déjà à pied d'œuvre. Et pour illustrer cette détermination, les bureaux de la SNEL où les opérations seront coordonnées est en voie de réhabilitation. Dans les faits, plus de 20 000 compteurs après paiement sont disponibles, prêts à être posés. La SNEL SA s'emploie sans tergiverser au respect des délais impartis, tenant compte de la nature des travaux. Politique à présent, le programme du développement des 145 territoires de la RDC a été accueilli avec joie par la population de la province de la Tchouapa. C'était lors du passage du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba, dans le cadre de sa tournée de reconfort dans l'espace Grand Équateur, Rodi Panda. Pendant son séjour à Bouindé, chef-lieu de la province de la Tchouapa, Jean-Pierre Bemba a été séduit par la maturité politique de la population. Au cours de cet échange entre cette population essentiellement composée de jeunes avec les leaders du MLC, des idées et des projets précis lui ont été proposés pour faire avancer la Tchouapa. S'agissant de l'unité des filles et fils de l'espace Grand Équateur, cette population de Bouindé n'a pas manqué de réitérer son soutien au fils du terroir, membre de l'Union sacrée, le député national Willy Bakonga. Il a été demandé à Jean-Pierre Bemba de travailler avec lui afin de mobiliser le MAS au profit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'élection prochaine prévue en 2023. La population de la Tchouapa vous demande de transmettre au président de la République ses remerciements pour la grâce présidentielle accordée à Willy Bakonga. Nous demandons également à vous, Jean-Pierre Bemba, de soutenir Willy Bakonga pour que Fatih Béton
triomphe en 2023. Peu avant la fin de cette rencontre, Toubouindé a applaudi le programme de développement des 145 territoires prôné par le chef de l'État. Programme dont la concrétisation est attendue de pied ferme dans la province de la Choapa. À l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabuya a appelé à convoquer d'urgence une session extraordinaire de la convention démocratique de ce parti afin de mettre un terme à tout scénario observé ces derniers temps au sein de cette structure. L'appel est des différents présidents fédéraux de l'RDC du parti présidentiel en séjour à Kinshasa, Alain Bikaï. Président fédéraux de l'ETRR, il représente des organes de base en mission de service auprès de la haute hiérarchie du parti, déclarons ce qui suit sur la situation relative aux actes illégaux posés par une partie de l'organe, à l'occurrence CDP, qui prévaut au sein de notre cher parti. Rejetons à bloc, pour défaut de qualité, tous les écrits et toutes les décisions de M. Lukuli, président hors mandat de la commission de discipline, qui entre en contact non seulement avec les institutions de la République, mais aussi avec celles de notre parti à travers ces actes qui relèvent de l'usurpation du pouvoir de notre autorité hiérarchique. Conformément à l'article 67, alinéa 11, qui stipule la violation des statuts et règlements intérieurs. Rejetons les activités de la Convention démocratique du parti, à sigle CDP, émiettées pour absence de compétences, il demande au secrétaire général du parti de convoquer ensemble avec l'exécutif de notre parti la véritable convention démocratique du parti conformément à l'article 30. Réitérons, au nom des organes de base de notre parti, notre fidélité et attachement au président de la République, chef de l'État et au secrétaire général, qui est le gestionnaire au quotidien du parti, pour sa loyauté à l'autorité morale du parti, à l'occurrence son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général centralise toute activité de gestion courante du parti. Prenons l'engagement de gagner les élections électorales prochaines pour conserver le plus longtemps possible notre pouvoir. Les jeunes du district de Mouamba exhortés à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre la patrie en cette période de l'agression rwandaise. L'appel est de l'élu de ce coin, Laurent Batumona, lors d'un meeting, dit meeting de vérité, tenu au quartier Livoulou, précisément au terrain et Limosantou, Anastasie Doumbou. Un méga meeting de vérité et de soutien au FRDC organisé par le mouvement de solidarité pour le changement Ville-Provence-Kinshasa, précisément dans les districts de Mouamba. Les filles et fils de ces coins de la capitale sont venus avec impatience écouter leur leader, à l'occurrence du président provincial Jeannot Binanou, qui leur apportait une surprise exceptionnelle tout en cherchant la solution pour désenclaver les quartiers Livoulou, Mbanzalemba et consorts. Il fera un lobbying auprès des autorités du pays, a-t-il souligné. Dans son intervention, l'autorité morale Laura Batumona Kandi a rappelé à la population et cadre du parti de voir les changements totaux et inconditionnels dans ces coins du pays. L'honorable Laurent Batumona a demandé aux jeunes leur soutien total au FRDC et leur enrôlement massif au sein de l'armée, ainsi qu'aux actions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la CENI concernant l'octroi des cartes d'électeurs. De voter bon nombre de députés pour dégager une majorité parlementaire en faveur du président de la République. Il s'y est signalé la présence de plusieurs partis politiques alliés au mouvement de solidarité pour les changements. En santé, l'opération gratuite de la cataracte qui a soulagé les populations qui ont souffert mérite de se poursuivre. Le ministre de la Santé publique a effectué une descente au centre Moncolet pour s'en rendre compte. Edith Chala.
Aussitôt revenu de Lomé, où il a participé à la 72e session régionale de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani, a effectué une descente au centre hospitalier Moncolé pour visiter la population vulnérable de Kinshasa qui a bénéficié gratuitement de l'opération de la cataracte grâce à l'accompagnement du gouvernement et ses partenaires. Après le constat, l'autorité sanitaire s'est dite très satisfaite du bilan de la première édition de la caravane médicale en ophtalmologie initiée par la Fondation Christine Bahati avec son partenaire de la Fondation Elena Barakeur qui consiste à opérer les Congolais souffrant de cette maladie de l'œil. Pendant 5 jours, soit du 22 au 26 août 2022, près de 500 patients sur plus de 1000 cas enregistrés ont subi cette intervention chirurgicale ophtalmologique réalisée par une équipe de médecins venus de l'Espagne en collaboration avec les professionnels de la santé congolais. C'est une mission qui est pensée depuis un bon bout de temps, mais qui se réalise maintenant. Vraiment, nos remerciements au nom du gouvernement vont à l'endroit de la Fondation Barakeur et de la Fondation Bahati pour avoir accompagné le gouvernement à réussir ce projet. Il y a eu également une facilitation qu'il faut souligner de la part des compatriotes. Je citerai M. Sombe Cédric, qui est présent, ainsi que mes collaborateurs au ministère qui se sont personnellement impliqués, le conseil médical, M. Lumandé, pour que ce projet réussisse. Cette campagne s'est réalisée dans les meilleures conditions à l'hôpital Moncolé, qui a été retenu comme centre pilote pour cette édition de Kinshasa. Les bénéficiaires sont plus que reconnaissants. Pour rappel, la cataracte est une opacification du cristallin d'évolution lente, entraînant une baisse progressive de la vision. Colouésy sous le feu de projecteurs dans le domaine de la formation professionnelle. C'est à partir de cette ville de Lualaba que la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou a procédé au lancement des épreuves de la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles. D'autres explications avec Cédric Enina. La cérémonie s'est déroulée en présence de la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, les vice-présidents de l'Assemblée provinciale, les membres du gouvernement provincial, ainsi que d'autres autorités politico-administratives. Antoinette Kipoulou Kabenga, ministre de la formation professionnelle, s'est adressée aux apprenants et autres invités des marques pour signifier que ces épreuves certificatives constituent l'avant-dernière étape avant la publication des résultats. Elles vont se dérouler du 1er au 3 septembre 2022 dans les 30 provinces éducationnelles du pays, bref, sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie d'aujourd'hui revêt une importance capitale car elle balise la voie à des grandes innovations successives de révolutionner le secteur professionnel et métier qui, selon le vœu du chef de l'État, doit devenir un secteur porteur de croissance grâce à une formation de qualité. La ministre a aussi profité de l'occasion pour visiter l'espace Katanga afin de se rendre compte personnellement du fonctionnement de son ministère ainsi que des conditions de travail et de vie des cadres et agents. La session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles est cette étape ultime dans l'apprentissage des métiers en République démocratique du Congo et la certification en ce qui concerne l'employabilité. Comment rendre utilisables et exploitables les données d'archivage? Ceci est le thème de l'atelier sur la planification d'archivage organisé par la CENI. Travaux ouverts par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Mouindo. Titi Samba. L'objectif de cet atelier consiste à identifier les enjeux et défis dans la collecte et la prise en charge des documents électoraux. L'atelier sur la planification d'archivage va permettre d'utiliser et d'exploiter les données d'archives pour les adapter aux standards internationaux. C'est le rapporteur adjoint central électoral Paul Mouinde Moulembiri qui a, au nom du président Denis Kadima Kazadi, ouvert ses travaux ce vendredi 2 septembre 2022. Les archives constituent non simplement à une question de mémoire, mais c'est parmi les éléments importants
qui sous-entend même l'existence des vies politiques de plusieurs acteurs dans ce pays. Parce que vous êtes un suppléant, si vous n'avez pas d'abord les archives de la CENI, on ne peut pas vous valider. Et la justice ne peut pas arriver non plus à mieux fonctionner si les archives n'arrivent pas à leur fournir des documents idoines. Nous devons mieux nous préparer et savoir nous questionner. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pouvoir augmenter des nouveaux documents sur les anciens documents? Est-ce que nous devons être toujours dans le même système d'archivage traditionnel? Est-ce que nous devons faire une migration vers la numérisation? Auparavant, le secrétaire exécutif national de la CENI, Toto Totoka Nimabiku, a dégagé le caractère essentiel des données d'archives favorisant la recherche. Les agents et cadres de l'Office congolais de contrôle en formation pour se mettre au pas face à la concurrence et rendre plus efficace le système de gestion de l'OCC, ils apprennent depuis ce matin une nouvelle matière, la norme ISO 9001 version 2015, une norme utilisée actuellement dans plusieurs pays du monde. L'éditeur avec Jacques Chimobamiji. Soucieux d'avoir un personnel hautement qualifié au sein de l'Office congolais de contrôle, Gabi Lubiba Mampuya, directeur général de l'OCC, fait du pouvoir de performance son cheval de bataille. Pour atteindre cet objectif, le DG de l'OCC vient d'organiser un atelier de formation de haut cadre sur le management de la qualité contenue dans la norme ISO 9001 version 2015. À cette formation assurée par Bivac BV, RDC, le chef de département centraux et chef de division se sont abreuvés les exigences relatives au système de management qualité. Ils ont appris comment démontrer son aptitude à fournir constamment des produits et des services conformes aux attentes de clients et textes légaux et réglementaires applicables. Ces hauts cadres de l'OCC ont intériorisé le 7 principes de management qualité, notamment l'orientation client, le leadership, l'implication du personnel, l'amélioration et l'approche processus. La cérémonie de clôture a été co-présidée par le DG de l'OCC, Gabi Lubiba Mampuya, et celui de Bivac, Olivier Lederer. On a travaillé sur les normes techniques, la 17025, la 17020, et nous pensons que avec la collaboration des cadres de patronat qu'on a avec Bivac, nous continuons à le faire. Cette formation de 4 jours a été appréciée par les participants et leurs formateurs. Ayant la caquistocratie en horreur, Gabi Lubiba Mampuya, DG de l'OCC, prône la méritocratie, les valeurs. Et juste après ce journal, vous suivrez en page magazine la clôture de l'atelier de formation à l'OCC. Les entreprises du portefeuille de l'État font parfois l'objet du jugement inique devant les cours et tribunaux. Et pour mettre terme à ce jugement qualifié d'injuste, les conseillers juridiques de toutes ces entreprises publiques se sont réunis pour trouver des solutions. Yolande Vauca et Fiston Wavingana. Cette procédure de jugement inique ne comportant qu'un seul magistrat qui condamne à des dommages exorbitants des entreprises du portefeuille établissement public a été dénoncée. Au cours de cette rencontre de conseillers juridiques de chaque entreprise membre de l'ANEP, il a été question de répertorier tout le cas récurrent de jugement inique prononcé dans les cours et tribunaux, condamnant des entreprises du portefeuille établissement public en faveur de tierces personnes. Il y a des entreprises qui sont condamnées injustement à des dommages et intérêts exorbitants. Et vous pouvez imaginer que pour des cas simples, il y a la CVM, la SCTP, avec une entreprise qu'on dénomme AGMI, qui devient un cas récurrent, vraiment, que nous déplorons tous. Nous avons plusieurs cas de ces jugements iniques. Et récemment, vous avez suivi que la RVA a été condamnée à hauteur de 20 millions de dollars. Donc les dollars sont devenus comme des cacahuètes. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Nous avons invité les juridiques des entreprises pour qu'ensemble nous puissions examiner, évaluer les causes de ces jugements iniques et faire en sorte que l'autorité soit sensibilisée pour qu'une solution soit trouvée quant à ceux.
les conseillers juridiques des entreprises accompagnés par l'ANEP se proposent de mener un lobbying auprès du gouvernement. Pour finir, ce communiqué de presse, la Société nationale de l'électricité SNEL SA porte à la connaissance de sa clientèle qu'un déficit dans la desserte en énergie électrique est observé dans la ville de Kinshasa et les provinces du Congo central, Lualaba et Okatanga, matérialisé par des délestages de charges suite aux travaux d'urgence des remplacements des panneaux des grilles immergées de Pertius amont des groupes 7 et 8 à la centrale d'Inga 2 chaque jour de 22 à 8 heures du matin. SNEL SA rassure sa clientèle que la situation sera rétablie aussitôt que les travaux finis. La fin des travaux est prévue le 10 septembre 2022. Elle saisit cette occasion pour informer l'opinion publique que suite à l'augmentation de la demande interne, SNEL SA n'exporte plus l'énergie électrique depuis 2008 vers la République du Congo et depuis 2011 vers les pays membres de la SADC. Pour toute autre information complémentaire, SNEL SA invite les médias à contacter la cellule de communication. C'est signé la direction générale. Et puis la Société nationale d'électricité SNEL, département de Kinshasa, département de distribution de Kinshasa, DDK informe son aimable clientèle que suite aux travaux de maintenance des équipements électromécaniques prévus au poste haute tension de Liminga, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 3 septembre 2022 dans certains quartier des communes ci-après, suivant le programme ci-dessous, de 7h à 18h, limité Limba Matete Kisenso Kimbanseke Masinanji Liengaba, de 13h à 16h, Gombe limité Limba Kassavubu Lingwala Kalamu Ngiringiri Bumbu Masina Ngaba Makala Barumbu et Kinshasa. Toutefois, la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres des ventes et services ainsi que le call center 177-188 sont à la disposition de la clientèle. La SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Kinshasa, en République démocratique du Congo et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Mata, demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h. Très bonne suite de programme et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.